这次香港的展览呢，应该是我至少到现在我有生以来可能是最重要的展览之一，甚至我得不得不说，我把所有的最重要的作品都呈现在这里，尤其那一件《宿命》，那是1980年展出来的那一件作品。我为什么特别强调？因为呢，有些写实的油画，又有实物的安装，还有呢，有一个象征性的，有象征主义的意义。更重要的，还有一个实景实物，好像画框外的世界跟画框内的世界是融在一起的，而那是在我19岁的时候做出来。那为什么我要来到法国？也是因为当时我们有一些学长，他来在法国，然后我一退伍，在台湾都是要当兵的，我还没当完兵就已经安排好要来法国，所以这个就是一个契机，也是一个造物主最好的安排。Alix, ben je l'ai rencontré chez lui, en fait, par l'intermédiaire d'un ami, Alain Weissmann, qui me l'a présenté et l'amitié a commencé comme ça. C'était dans son atelier à Auvers, il y a 30 ans, à peu près. Et la collection a démarré petit à petit, au fur et à mesure de ses expositions. J'ai une relation amicale très ancienne qui date du début, qui s'est confortée avec plusieurs voyages en Chine où j'ai pu voir sa famille, confronter mes tableaux à ce qu'il vivait lui. C'est un tableau qui s'appelle Eleven parce qu'il y a 11 petits personnages en haut qui sont tous tirés d'après des photos, des portraits des cousins et cousines d'Alix, avec une ligne rouge qui limite un peu le conscient qu'on a au-dessus et l'inconscient qui est dessous. Toute la partie cachée, en fait, correspond aux pulsions, aux âmes, aux sentiments confus, mêlés, qui sont plus ou moins croustillants. On a une lèvre ici, on a un œil vert qui est là, on a des petits personnages, des grands personnages. Tout ça est un peu mélangé et on a des ancêtres communs qui parlent à travers plusieurs cousins, cousines. Chacun parle avec ses entrailles, ses tripes, son âme, par des ascendants et des descendants qui parlent en lui. Et on a une espèce de tableau un peu psychanalytique d'une famille. Alix Fou, c'est un ami intime. Et je rentre dans sa peinture, tout a un sens pour moi. Donc, c'est une vraie conversation avec tous ces tableaux. Alix peint, mais il ne sait pas pourquoi il peint comme ça. Ça se fait spontanément. Après, c'est lui qui me demande pourquoi j'ai fait ça. Et je ne sais pas.我平常有画手稿、素描，素描的东西呢，其实是一种休息，一种散步，一种很诗意的。有些东西就是在这种过程当中出现，所以灵感也是来自于这些东西的。好，行了。喂。
有不同的阶段呢，我有碰到不同的人，甚至有一些已经不在，甚至在画册的艺术家，他们的故事、他们的画、他们的留下来的一些思想，都会影响到我啊。比如说，毕加索其实影响我倒蛮大的，因为他蛮广的，他非常广。我认为真正的艺术家应该是活的，他的东西不重复的，毕加索就是个例子。On l'a rencontré parce qu'on se baladait dans Auvers et voilà, il avait ouvert son atelier rue du Moncel. Nous sommes rentrés et on a eu un coup de cœur. La peinture d'Alix, c'est ce côté universel. Il y a quelque chose en fait dont on avait parlé un jour qui m'a toujours émue et c'est ce que je ressens dans sa peinture, c'est-à-dire que chaque individu est un point dans l'univers. Et en fait, l'univers, c'est une harmonie de points et en fait, on est tous unis. Dans le monde, c'est une communion. C'est l'homme d'abord, l'humain. On voit plein de personnages, des personnages fous. Il y a des personnages qui sont mélangés avec des animaux. Et en fait, il y a toute cette mixité universelle qui fait le monde. La peinture d'Alix me ramène à notre naissance, à la terre, à l'eau, aux éléments. Et c'est ça qui me touche beaucoup. 其实最重要的是要跟群众碰撞。而过程当中，我的私密的空间里头，那是永远一直跟我生活在一起的。生活对我来讲是太重要的。生活里头有太多的契机。有人说好像我没有休息过，可是我确确实实的生活在里头，也时时的在休息，也时时的在感受。这个习惯其实就是融入在艺术里头。我们面对人生是用我们的脸去面对它，所以我画的是个表面的东西，好像你的皮肤上面是一个镜子反射的这个世界。有人会看到会想到个某某世界以外还有好几个世界的融合，所以这个脸谱呢，其实是我自己应该有三十几年来的一个融合的东西，全部在画面上。应该讲今年我才会特别感觉到自己的塞密为爱而签名是非常非常重要的，然后最后甚至为地球而签，其实最后其实就是为爱而签。Exposition Signature du Monde, donc qui s'est réalisée en 2008 avec Alix. Il y avait des œuvres, des sculptures qui avaient été réalisées spécialement pour cette exposition et en fait on les avait exposées dans toute la ville d'Auvers-sur-Oise. Après ça a été New York et Taipei et en fait on avait exposé des sculptures dans tous les lieux emblématiques d'Auvers, le château, le parc Van Gogh, l'atelier d'Aubigny. Il y avait une œuvre qui était présentée sur le parvis de la mairie qui faisait à l'époque 6 mètres de haut de mémoire. Et en fait, les gens étaient invités à signer ces sculptures pour communier justement sur une unité et partager un petit bout de cette œuvre avec l'artiste. C'était vraiment un moment unique, intergénérationnel. Donc il y avait des enfants, il y avait des personnes âgées, mais aussi des visiteurs du monde entier. Puisqu'à Auvers, on a quand même 400 000 visiteurs par an. L'art contemporain doit se rencontrer avec les gens.而不是自己在自己的私密空间里头创作的。我这个演变呢，也当然也不能磨灭过去四十年来我的个人的私密空间的创作，因为它也演变出另外一个作品，叫做反复古系列，就是拿古画在创作。在一些欧洲的艺评家来讲，他们认为是这两样东西就非常重要了，很可能就是会定义我的重要性。所以我的个人的创作呢，跟群众结合，跟过去一两百年、两三百年这艺术家，另外一个艺术家的结合，我说我想我的存在的意义应该是在这里。